Madame Montchalin souhaite intervenir. Je prends la parole juste pour dire qu'effectivement, il y a eu grande unanimité lors de la commission élargie, que j'entends les propos du ministre disant qu'il n'y a pas de problème de transparence et qu'il y a un engagement constant de nous faire savoir tout ce que nous aurions à savoir sur les autoroutes. Je pense que si, monsieur le ministre, vous aviez la possibilité de donner un peu d'ouverture à votre position, elle arrangerait beaucoup de députés sur ces bancs, puisqu'ils souhaiteraient, je pense, pouvoir continuer à bien suivre dans la précision les évolutions du secteur autoroutier, des investissements qui y sont faits, et de la qualité des choix budgétaires, surtout, afférents à ce secteur. Donc je m'en remets à votre avis, monsieur le ministre.